وزارة الخارجية الفرنسية سعادة السفير أيها الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لفرصة عظيمة لي أن أكون متواجدا بينكم لافتتاح هذه الأماكن الجديدة التوسعات في رابطة الثقافة الفرنسية في دبي والتي نرجو لها دوام التوفيق والنجاح. سوف لن أعيد ما ذكره أمامي إعادة رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية فقد تكلم عني، ولكن أريد أن أضيف فقرة واحدة وهي أن العلاقات التي تربط فرنسا والإمارات هي علاقات تاريخية جذورها قوية وقد بدأت كحلم في عهد الشيخ زايد رحمه الله عندما ذهب إلى فرنسا في أوائل السبعينات بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة لكي يشكل دولة الاتحادية ولكي يعمل على تأسيس شبكة من العلاقات الدولية. بدأها بفرنسا لأنها في قلب أوروبا، لأنها دولة صديقة، ولأنها دولة تشترك معنا في كثير من المثل والأخلاقيات. وبالفعل تطورت هذه العلاقة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليها اليوم. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, excellences, l'ambassadeur, l'ami de Nabil de Al-Ain aussi, je ne veux pas répéter ce que monsieur le président vient de le dire. Il a exprimé beaucoup mieux que moi tout ce qui traverse l'être, le développement, le renouvellement des espaces dans ce bel, endroit où nous nous trouvons, l'Agence française de Dubaï. Je veux simplement ajouter que cette relation d'amitié, les liens qui nous lient la France et les Émirats, sont des liens historiques basés sur un rêve. C'était le rêve de Cheikh Zayed, le feu Cheikh Zayed, le fondateur, le père des Émirats arabes unis, qui s'est lancé en Europe dans sa première visite à l'étranger pour visiter la France, pour tisser cette relation qui continue de se solidifier. Et maintenant, nous sommes en train de vivre la belle expérience de cette coopération sur les niveaux culturels avec la présence de Louvre à Abu Dhabi, la Sorbonne à Abu Dhabi, avec la présence des alliances françaises, de l'Institut français, avec l'enseignement de la langue française aussi dans les écoles publiques. Donc, je félicite le président du comité de l'Alliance française de Dubaï, les membres du comité de l'Alliance française, les amis de l'Alliance française, et je vous souhaite toute réussite. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci d'avoir nous consacré ce moment de venir à Abu Dhabi pour nous rendre visite. Et n'oubliez pas de parler de nous à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres l'année prochaine. Et maintenant, j'ai l'honneur d'appeler Son Excellence le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.